Information, inspiration, motivation, conscientisation et surtout, distraction. Gardez tête tout, votre pot pourri avec Flore. Votre Flore sur la WKAT 1360 AM tous les samedis, 6h, 7h. Gardez tête tout, la radio pour réfléchir. Joseph Surgery, Dr. Roman Joseph, et nous au cœur de North Shore. C'est une clinique qui est très accessible parce que l'époque dès qu'on prend bus Serge Miami, quoique bus 2, bus 9, bus 10, toute zone ça fait zone 1. Et puis c'est une clinique qui desservit tout le monde, que ce soit où habiter la North Shore, que ce soit la Little Haiti, notre Miami. Moi, je recommande notre clinique Roman Joseph parce que moi-même, moi, suis ancien patient. Adresse Dr. Roman Joseph, c'est 94-15 Nord 10 6e Avenue. 94-15 Nord 10 6e Avenue. Non, c'est titre où nous faisons dans Joseph Surgery, nous pas coupé mon encore, c'est titre où nous faisons. Eh bien, on fait titre où nous faisons comme nous. Et puis, on met la caméra dans un entrou. Et puis, on a l'autre trou où on met l'appareil. De façon à ce que vous capable en dans vente mon nom, faire opération ça. Nous encourager tout le monde pour être capable de checker TTO régulièrement. Parce que ou qu'on ait été au plus bien passé docteur, ou qu'on ait été au plus bien passé l'autre monde. C'est toujours bon pour capable checker ça régulièrement quand même. Mais il est bon pour capable faire un docteur checker. Parce que docteur en cas checker bagaille que ou même ou capable connait. Ou bien l'autre senti, l'autre fin checker l'autre senti ou trouver un bagaille qui pas normal dans tété. Alla ka docteur fait docteur en checker pour demander docteur qui ça est. Ça le pense boule ça. Adresse docteur Roman Joseph, c'est 94-15 Nord 10 6e Avenue. This show is brought to you by Jeff Hess, attorney at law. 305-255-2797. Ça, c'est avocat PAM. Jeff Hess, spécialisé dans accident machine. Ou glisser ou tomber dans la rue, dans maquette, avocat bourré les couignets là, c'est Jeff Hess. 305-255-2797. Jeff, también habla espagnol. 305-255-2797. Casas et Jeff, ma pralri les couilles là, 305-255-2797. Bonsoir téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle sortie de Radio TV avec Dr. Flore. Si c'est la première fois ou après l'émission ça, eh bien généralement, moi je suis au bord de la station de radio, hein, côté que radio et télévision mariés ensemble. Mais je dis, hein, présidente Haitian American Democratic Club, là, à tout seigneur, tout honneur, invitez-nous la Kali pour nous faire bilan mois de juillet. Sans perdre de temps, notre invité aujourd'hui, Madame Guitel Wyss-Nicolas. Eh bien, Guitel, bonsoir et bon, nous t'avons dit bonnes vacances parce que c'est l'époque des vacances, mais on même on pas cessé de travailler, etc. Merci de nous, oui, merci parce qu'on recevoit nous la CAIO. Merci beaucoup, Flo, et puis bienvenue. C'est vraiment, vraiment honoré le fait que au Montévin joigne nous. C'est ça. M'apprécier ça en pile. Et puis nous t'arrivons lundi, téléspectateurs, bonsoir. Alors, nous avons nous là, c'est comme pour nous dans le salon avec moi. Dis-nous bienvenue tous. C'est ça. Eh bien, et 2017, c'est une année côté que au niveau politique, ça qui est fait pour le mois de juillet, il faut que nous parlions de ça. Et le président américain là, il fait célébrer prise de la Bastille avec le président français. Alors, geste patriotique, c'est ça, et Guitel? Oui, oui. Ouais. Patriotique. Alors, à côté de ça, nous connaissons que nous-mêmes, ça qui plus intéresse nous, la communauté haïtienne, c'est les préparations des élections de 2018. Oui. C'est-à-dire que y a des élections législatives, il y a des élections Sénat. Bon, comme c'est vous-même qui plus. Ah, pour gouverneur tout. Et nous connaissons Andrew Gillen, son candidat. Nous connaissons
Ah, c'est Gwen. C'est ça. C'est la fille de l'ancien gouverneur Bob Graham. La nièce de Bob Graham. Mm-hmm. Et puis, il me paraît que M. Kelly Jack Latvalas a annoncé que s'il a venu gouverneur. Enfin, il y a plusieurs élections jusqu'à présent. Il y a des gens qui ont fait annonce. En outre, nous ne pouvons pas connaître combien de candidats nous avons pour gouverneur de la Floride. Alors, nous connaissons, nous-mêmes, Haitian American Democratic Club de Broward County, nous focus vraiment sur la politique locale. Ouais. Regardez la politique, nous avons président, nous avons sénateur, mais vraiment la politique affecte nous, c'est politique locale. So, mais c'est un focus en pile sur ce qui a passé en Floride. Et puis de là, ce qui gens que ce qui a passé en Floride au point de loi, au point d'initiative politique, qui gens que va affecter nous, ici dans Broward County. Et ça qui est important avec Radio TV, nous-mêmes nous fait unité des comtés. Parce que ça qui passe dans Broward, là, les gens Miami, well, c'est-à-dire que yo fait un échange, yo font partage, parce que depuis ces politiques et que nous sommes seule communauté haïtienne dans l'État de la Floride, c'est-à-dire que nous collons yon à Claude, même si yon n'a pas que Messé travaille sous lui à travers l'émission, prend moun dans le Sud, fait yon rencontrer avec moun Miami, fait moun Miami rencontrer avec Broward, parce que si n'a parlé de gouverneur là pour tout le monde, et les Broward lui même a bien bougé, c'est-à-dire que nous sommes plus solides en tant que communauté. Merci Guitel, merci pour le leadership. Eh bien, qui ça qui est marquant pour nous-mêmes, pour nous prendre, pour nous conscientiser sur lui pour le mois de juillet? Eh bien, c'est pour me dire que, premièrement, je t'aimerais remercier pour le fait que vous vraiment qu'aimez nous comme un glou. Le ou dit, vous faites mon Miami-Dade, Broward County, Palm Beach County, nous vraiment faire des échanges d'idées pour nous voir qui ça qui commun, qui ça qui vraiment a bénéficié communauté. Alors c'est une raison pour laquelle que moi ça m'intéresse pour nous focus sur revision de constitution de la Floride. Mm-hmm. Ça c'est un qui est très important. Mais Guitel, généralement les vous parlez de constitution. Je crois que l'école m'apprend ici, son bail que vous faites chaque 20 ans. Chaque 20 ans. Ah, ok. So pour nous-mêmes, pour moi-même, c'est la première fois. C'est la première fois que n'a participé. Et là, regardez, en 98 avec Kouniela, communauté a changé. Oui. Démographiquement, nous vîmes presque majorité. Le moins dit nous, non seulement haïtiens ou bien espagnols, ou bien communauté de couleur là. C'est ça. Et minoritaire. Les minorités. Uh-huh. Exactement. Nous venons censés qu'on y est là, nous presque approcher la majorité. Si on mettait toutes minorités ensemble, nous presque 48%. So, très bientôt, nous qu'à 50-51%. Alors c'est une raison pour laquelle que l'involvement nous, voit nous, dans la revision constitution, son bagage qui est très, très, très important. Lorsque leur constitution a changé en 1998, l'issue que nous avons connue là, nous n'avons pas gagné. La communauté que nous avons connue là, nous n'avons pas gagné. Alors, nous voulons faire une visite encore avec l'idée que faut nous commencer à parler avec une voix, non seulement voix de Broward County, non seulement voix de Miami-Dade, très région. C'est ça. C'est région. Très important. Moi-même, m'a regardé démographiquement une série de communautés qui gagnent en pile haïtien. C'est pour nous vraiment collaborer. Moi-même, coalition. Côté que on pas regarder juste les communautés pour là, on va regarder qui gens que voient haïtiens ont vraiment qu'à changer. Qui gens que voient minorité ont vraiment qu'à changer constitution. Alors bon font-ils parler de sa constitution. Nous déjà connaît que chaque 20 ans, il y aurait revisé constitution. Constitution c'est qu'un coup de chaud de la Floride qui veut dire que mais comment la Floride pourrait opérer. C'est ça. Alors processus ça ou bien process ça
ou pas qu'à son seul monde qui peut faire. C'est plusieurs monde qui peut faire. Cela a des gouverneurs à appointer 9 membres pour revision de commission. Ou bien attorney général lui a appointé plusieurs membres. Ou bien différentes branches président de Sénat qui vraiment a appointé 9 membres. Son commission, c'est ça. Revision Constitution Commission, li vraiment consisté de 27 membres. Eh bien, je dis, l'ouvrage pour capable garder tête ou apprendre pour nous faire partie de l'émission Coréméen qui s'est prise de conscience, qui c'est ou exclusivité, information qu'on en pile émission radio papoter pour vous, mais nous pensons que si nous faisons la radio pour réfléchir, nous ne sommes pas capables de conscientiser les gens. Eh bien, je dis, on a réfléchi sous 20 ans que l'on prend pour réviser une constitution. Et année, ça, c'est une année, côté que dans l'État de la Floride, il y a travail sous révision constitution. Et ce n'est pas la constitution seulement pour l'État de la Floride, non? C'est la constitution en général, non? Eh bien, on connaît que la Floride appelle the Commission of Broward County is also doing it. Exactement. Ce qui veut dire que en pile État branche du gouvernement a participé et puis eux même il a regardé ouais qui gens que eux même il a fonctionné comme en entité de gouvernement. Ou bien dit parce que 27 représentants ça yo sorti de différents comtés. Exactement. Différents comtés. Alors ça, c'est des informations pour nous-mêmes qui fait partie de une société, qui fait partie de peuple américain en Kounila, si ou même qu'on vote pour qu'on ait que information ça on pour. Nous prenons pause, nous tenons à l'heure. Une communauté qui progresse est une communauté en santé. Et pour nous parler de santé, Hosanna College of Health, c'est l'école par là même. Côté au capable vini yon PN dans un an, LPN ou ka vini AN dans un an, et si ou AN déjà, ou capable gagner BSN ou dans un an. Dans Hosanna College, tout professeur yon expérimenté. Salle de classe yon pas chargé, yon bien équipé. Horaire classe yon très flexible. Avec des sessions les matins, les après-midi, les soirs et même les week-ends. Visitez Hosanna College of Health, qui est dans 6151 Miramar Parkway, suite 300. Relais dans 954-544-3065. 954-544-3065. Eh bien bon, et n'a pas avancé, mais les gens qui ont fini d'entrer dans la commission, est-ce qu'ils ont touché? Est-ce que vous avez un salaire? Non, c'est pas un salaire, simplement c'est service pour la communauté. C'est pas de la démocratie parce que là, il a créé un charter. Même dans la Constitution des États-Unis, ce sont des gens qui étaient vraiment, ils étaient care de la communauté. Alors c'est service que vous avez parce que vous voulez avoir une société qui est beaucoup meilleure. Alors moi-même, c'est une bagaille que je remets avec les États-Unis parce que là où vous gouvernez, il faut un level de transparence. C'est ça. Ou pas vle que c'est ou fait loi, c'est ou connaît passé tout le monde, ou décider c'est ça pour faire. Alors commission hein. Et même si tu as fait pendant 4 ans, excuse-moi pour monde qui député ou du moins sénateur etc., mais gagner la loi qui est plus fort que tout. Exactement. Qui fait que gagner et transparence qu'on va parler. Transparence là très important. Alors c'est une raison que un aspect de processus là, c'est que faut y faire une série de education session. C'est ça. L'obligation. Il faut qu'il y ait des rencontres publiques. Publiques. Exactement. Des town hall meeting. Maintenant, Guitel, et si t'attendais ça, yo, ou du moins Solari ça, yo, qui gens y ont fait, qui l'a fait? Yo fait enfin si on monte à vle gen schedule là, yo toujours gen droit aller dans website là. On connaît le 14. Yo tout fait on rencontre. Te gen une African American Research Library lundi dernier alors. Lundi dernier. Yo te rencontré côté que pour moun yo te vraiment tendé qui plan commission hein, qui genre de
amendement que moun gen droit proposer et puis vraiment raison pour reviser amendement. Alors le moins dit reviser constitution hein, parce que société nous son société qui a changé. C'est ça. Ça que tu travailles pour nous en 98 ou bien 20 ans avant ça, qu'on y est là, ça pas travail pour nous encore. Et c'est une raison pour laquelle que le m'a gardé élection que s'est faite tout dernièrement, tu as une liste de amendements. Dans ballot là. En pile mon a colle moi pour qui ça pour voter. Voter oui, voter non, simplement parce que yo vraiment pas gon ti temps comprendre amendement ça yo. So leur constitution hein, proposer amendement ça yo en 2018, yo gen pour yo wè tout amendement ça yo dans ballot là. Alors c'est pour raison pour laquelle moi-même moi dit communauté haïtienne là, li leur pour nous commencer faire yo tant de voix non. Communauté américaine nan, yo connaît que nous sommes force. Yo connaît que population a grandi. Alors nous mêmes c'est pour nous faire partie panoua pour nous éduquer nous sur sujet yo de quoi que pouvoir nous vraiment ça compter. N'a tout voyons coup de chapeau bateau par exemple pour différents groupes union oui. De l'élection qui toujours fait genre de campagne ça yo. Alors toi bay pou le monde qui gagne intention candidat et ça fait moi ma guitelle nous poko candidat parce que nous fait plus temps à éduquer le peuple sous éducation civique etc. C'est pas comme ça tout le monde ni crété yo candidat et puis l'homme de qui plateforme yo ou pas qu'on jambe dans don candidat qui dit que mettez l'amendement de constitution qui a servi pour zone moins ville moins tout petit pour lui. Quoique naturellement, nous ne pouvons pas dire que c'est moi et ma guitelle qui pote pour nous, pas faire rien, mais faire quand même pour 2018 là, la cause éducation et puis montrer au peuple, lui connecter, qu'on en ordre, qu'on fait bagaille ou propre à sa constitution, mandé. Alors, ça me t'a remé que nous sommes monde d'action, ce qui veut dire n'a pas parlé de constitution, mais vraiment invité. Téléspectateurs, vous pouvez aller dans le website Commission Revision Task Force là. Alors, website là, c'est flcrc.gov. N'a répété encore. F L